Et bonjour les joueurs, c'est reparti pour la troisième vidéo de revue de septembre et nous allons parler de ces jeux-là. Allez, on commence tout de suite avec Compagnon. Hop. Un excellent jeu chez Gigamic et c'est un jeu de Hakon Gardner. Je ne sais pas de quelle origine c'est, mais c'est vraiment un petit jeu de cartes très très sympa. Alors après, comme tous les jeux de cartes, c'est difficile de vous les montrer comme ceci rapidement. Sachez que chaque joueur va avoir une petite place du village et que le but du jeu, ça va être de reconstruire un village après la grande peste du Moyen Âge. Et donc chaque joueur va commencer avec une carte compagnon, comme ça, puisque en fait, dans le jeu, vous allez essayer de récupérer différents corps de métier que vous allez placer devant vous dans votre village pour essayer de gagner le plus d'or possible. C'est celui qui sera le plus riche en fin de partie qui gagnera. Donc on commence tous avec seulement un compagnon, d'où le nom du jeu, enfin des compagnons même, et qui ont un petit symbole comme ceci avec deux cartes qui voudra dire qu'on va pouvoir poser plus tard dans la partie deux personnages supplémentaires de chaque côté du bonhomme principal. Donc voilà en fait le principe du jeu, c'est ça, c'est qu'on va placer des bonhommes qui ont la possibilité d'en poser deux dessus, et puis qu'ensuite on va pouvoir peut-être poser d'autres personnages qui vont faire comme ceci des séries. Mais pour pouvoir les poser, il va falloir répondre à quelques obligations. Alors par exemple, sur une des couleurs, parce qu'il y a plein de couleurs dans le jeu, celle-ci, en fait, vous indique toute la série de personnages qu'il vous faudra placer. Donc là, en premier, ça vous indique qu'il va falloir vous mettre un faneur. En deuxième position, c'est cette carte-là, puisque c'est marqué en gras, l'herbager qui va aller par-dessus le faneur. Ensuite, l'herbager, vous pourrez plus tard dans la partie poser par-dessus un vacher. Et après avoir posé le vacher, par-dessus, vous pourrez aussi poser le fromager. Le problème, c'est que toutes ces cartes, eh bien, elles sont de différentes couleurs. Elles vont arriver au fur et à mesure du jeu. Vous ne savez pas trop dans quel ordre. Derrière, elles ont un symbole qui correspond à leur couleur. Donc vous savez en fait que cette carte-là correspond à la couleur qui commence par les faneurs, mais vous ne savez pas laquelle c'est. Voilà. Donc ça vous donne comme ceci quand même un petit indice. Et vous voyez comme ça aussi que quand les autres joueurs ont des cartes en main, bah, vous pouvez un peu deviner ce qu'ils essayent de faire. Donc le principe de base, c'est qu'à chaque manche, vous allez faire une première phase où vous allez pouvoir récupérer des personnages qui vont être à disposition sur une ligne et que vous allez en pouvoir en récupérer deux lors d'un tour, plus un par symbole de nourriture qui est comme ça sur les cartes. Donc ça, c'est le symbole de nourriture avec le petit plat. Donc plus vous aurez de symboles de nourriture, plus vous pourrez recruter des personnages et les prendre dans vos mains. Voilà. Et on le fait à tour de rôle. Donc le premier joueur récupère un, et puis ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce que tout le monde ait récupéré le nombre de personnages qu'il pouvait récupérer. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la deuxième phase où on va pouvoir placer ces personnages dans son village, c'est-à-dire les disposer face visible devant soi, en suivant bien les instructions qui sont indiquées sur les cartes, car on ne peut pas poser en fait ben, un herbager si on n'a pas un faneur, par exemple. Enfin bon, là c'est un mauvais exemple, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais voilà donc le principe général. Donc ensuite, à tour de rôle, on va poser aussi des cartes devant soi. Et cette fois-ci, ça va être avec les symboles de maison. Vous aurez le droit de mettre deux personnages dans votre village, plus un personnage par symbole de maison que vous avez sur d'autres personnages que vous aviez placés préalablement. Donc voilà, en sachant que pour les deux, c'est-à-dire recruter des personnages et les poser dans votre village, vous ne pouvez avoir qu'un maximum de 5. Vous ne pourrez pas dépasser 5 même si vous avez plus de maisons ou plus de symboles de nourriture. Voilà, donc ensuite, eh bien, le principe, c'est que la majorité des personnages vont vous rapporter des pièces d'or, comme ceci. Dans le jeu, il va y avoir deux décomptes, un décompte qui arrive assez tôt en début de partie, et qui va vous rapporter des sous pour chaque symbole or qu'il y a sur tous les personnages de votre village. Et il y aura un deuxième décompte en fin de partie, avec à nouveau ça qui va vous rapporter des sous, mais aussi des cartes, les cartes où il y a des symboles gris, car vous allez aussi tomber sur des cartes comme ceci, qui ont des symboles de pièces grises, et bien ceux-là ne seront comptabilisés qu'à la fin de la partie. Voilà, alors pour les règles de pose, il y a une dernière chose, il y a aussi des symboles de verrou comme ceci, c'est-à-dire que ce personnage-là, je ne pourrai le jouer en jeu
que si il y a un charpentier normalement. Voilà, c'est marqué dessous en fait, il faut un charpentier pour le déverrouiller, c'est-à-dire pour avoir le droit de le poser. Alors vous aurez toujours le droit de le poser quand même, mais si vous posez ce personnage et que c'est vous qui possédez un charretier, vous allez récupérer deux pièces de la banque qui vont s'ajouter sur le charretier. Effectivement, il y a des personnages en fait qui vont permettre comme ceci de gagner de l'argent. Alors est-ce que je vais vous en trouver un? Voilà, donc par exemple. Le brasseur, lui, il a un symbole de clé comme ceci, ce qui veut dire qu'il y a un chiffre en fait dans ce petit symbole de carte. Le chiffre 2, ça veut dire qu'il va pouvoir aider deux personnages à apparaître sur la table. Et donc à chaque fois qu'il va y avoir besoin d'un brasseur pour poser un personnage sur la carte, eh bien ce personnage-là, oui, c'est ça. À chaque fois qu'il va y avoir besoin d'un brasseur, eh bien, le brasseur va gagner deux pièces de la banque. Alors, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est vous qui avez le personnage nécessaire pour en poser un autre, il va recevoir deux pièces de la banque qui vont s'ajouter sur lui. Et donc, ça va être des pièces qu'il va gagner lors des décomptes. Et donc, ça va s'ajouter comme ça les pièces sur les personnages qui permettent d'en débloquer d'autres. Donc le mieux c'est d'avoir soi-même en fait le personnage nécessaire. Si vous ne l'avez pas et qu'un autre joueur l'a, eh bien malheureusement c'est vous qui allez devoir donner deux pièces à ce joueur. Et donc les deux pièces ne vont pas provenir de la banque pour lui, mais vont provenir de votre réserve personnelle. Enfin, si personne n'a posé le personnage nécessaire, donc là si je veux absolument poser ce brasseur par exemple et qu'il n'y a pas de tonnelier en jeu, puisque lui il faut qu'il y ait un tonnelier. Et eh bien à ce moment-là, je vais payer les deux pièces à la banque. Donc voilà, on n'est jamais bloqué, hein, mais par contre, c'est moins bien évidemment de donner des pièces aux autres que s'en donner à soi-même provenant de la banque. Donc voilà, vous allez vous faire votre petit village petit à petit. Et puis il y a un système de pioche qui est assez original aussi. Bon là, je ne peux pas trop m'étendre dessus en fait, mais vous avez une ligne en fait de personnages que vous allez pouvoir récupérer. Et vous allez aussi défausser de temps en temps des cartes pour poser les personnages de base du jeu, car en fait chacune des couleurs correspond à un personnage de base. Donc là, par exemple, le foin, la première carte, ça sera une carte de faneur. Alors les faneurs, ils vont être placés à côté du jeu en début de partie, et pour pouvoir recruter un faneur lors de votre tour de jeu, il vous faudra défausser une carte de personnage que vous avez en main. Et voilà, et donc il faut anticiper aussi là-dessus. Alors c'est vraiment très sympa, un peu dans le genre, ça rappelle vaguement. Un jeu dont je vais pas me rappeler, justement. Mince. Le jeu de village de. Paru chez Gigamic, ça y est, j'ai oublié le nom. Bah, je vous le remettrai en incruste parce que là, comme je pense au jeu que je dois vous présenter, et j'ai oublié. Voilà, donc c'est un excellent petit jeu, alors qui dure assez longtemps, hein, 45 minutes, 1 heure. Voilà, évidemment, c'est encore plus sympa quand vous jouez à plus que deux. Et il y a aussi une petite version solo qui est sympathique, où vous allez affronter un personnage qui va vous donner des bâtons dans les roues en fait pour progresser dans votre village. Donc, compagnon, excellent dans le style pose de cartes, relativement simple, mais à anticipation. Ensuite, parlons de Speed Maps. Speed Maps de Martin N. Andersen chez Lifestyle. Alors ça utilise un petit jeu de rapidité, mais qui correspond à un jeu de pliage papier, que vous connaissez peut-être en fait. En fait, c'est deux bandes qui sont collées comme ça et qui ont des pliures. Donc effectivement, vous allez pouvoir comme ça plier d'un côté, plier de l'autre. Plier comme ceci, plier comme cela, et hop, et ça, voilà, c'est infini. On peut faire ça plein de fois, et évidemment, ben, il y a le verso aussi, avec aussi la même chose, un côté, de l'autre, les deux à la fois. Hop, pliage comme ça, et dans tous les sens. Et vous l'aurez compris, ben, il va y avoir autant de. Il y en a quatre comme ça pour pouvoir jouer à quatre joueurs, c'est plutôt du jeu. Familial à famille à partir de 7-8 ans, ça marche très bien, j'ai joué avec mes neveux. Et vous avez deux types d'objectifs. Des objectifs qui vous demandent en fait d'avoir les personnages correspondants sur une face.
C'est-à-dire là, par exemple, avoir une licorne et quatre coffres au trésor qui apparaissent en fait en même temps sur votre truc. Alors vous allez chercher comment faire apparaître cette licorne avec 1, 2, 3. Là, il me manque un coffre au trésor. Alors comment est-ce qu'il faut que je plie comme ça? 1, 2, 3, j'en ai que 3, il m'en manque un. Donc c'est peut-être pas le bon côté, ou c'est qu'il y a une autre licorne et tout. Donc voilà, vous cherchez en fait. Le premier qui réussit à avoir sur un côté plat, alors ça peut être n'importe comment, hein, ça peut être comme ça, paf. Qui a ce qu'il faut, ben évidemment, il gagne la carte. Et après, dans la version plus avancée, vous devez faire non seulement trouver les personnages qui sont indiqués sur la carte, mais en plus trouver un chemin qui relie tous ces personnages. Car effectivement, c'est hyper bien fait sur le jeu. Il y a donc comme ceci plein de chemins qui sont connectés ou pas connectés, et il va vous falloir aussi essayer de trouver non seulement les personnages, mais en plus une connexion entre ces personnages, en sachant qu'il y a aussi des endroits où il y a voilà, où il y a des objets pièges qui ne sont pas connectés à des chemins, et donc ceux-là ne vont pas pouvoir comptabiliser dans cette version un peu plus avancée que l'autre. Voilà, donc ça marche très très bien, du jeu d'observation, rapidité, logique, familial, à partir de 7 ans et jusqu'à 4 joueurs. Vous pouvez évidemment vous amuser aussi en solo. Ensuite, juste parlons pas longtemps en fait des extensions de Clank. Donc ça, c'est une extension avec les expéditions, l'or et la soie, et donc il y a des petits personnages alternatifs représentant des petits personnages de base qui vont pouvoir remplacer les pions du jeu original. Voilà, vous avez une araignée pour remplacer le dragon sur une des deux faces. Car effectivement, le principal truc qu'il y a dans cette extension, c'est qu'il y a un plateau recto-verso. Alors vous avez un côté avec de l'or, donc voilà, c'est un labyrinthe comme le labyrinthe de base, mais vous allez pouvoir essayer de récupérer des mines d'or qui sont ici. Quand vous êtes à côté, eh bien en utilisant des points, vous allez pouvoir placer un de vos petits cubes Clank sur ces endroits-là du plateau de jeu, et en fin de partie, vous comptabiliserez les points qui sont indiqués dessus. Donc voilà, ça vous rajoute un petit truc supplémentaire. Effectivement, celui qui aura placé le plus de cubes en fin de partie va rapporter 20 points supplémentaires, le deuxième 10, le troisième 5. Donc ça vous force à essayer d'aller miner toutes ces mines. Nous sommes dans la mine des nains. Et de l'autre côté, nous sommes plutôt à Sirithune Gold avec une araignée géante. Donc là, eh bien, il y a des toiles en fait qui vont bloquer les jetons. Et pour pouvoir récupérer les jetons, eh bien, il va falloir dépenser une épée supplémentaire pour avoir le droit de récupérer les jetons qui sont pris dans les toiles. Ensuite, il y a aussi des petits jetons spéciaux qu'on va disposer sur certains trajets du jeu, comme ceci, des petits jetons toile. Pour pouvoir passer et détruire la toile, il vous faudra aussi dépenser une épée ou un pas supplémentaire. Et si vous y arrivez, vous allez détruire le jeton, enfin détruire la toile et récupérer le jeton. Et derrière ces petits jetons, eh bien, il y a quelques petits points de victoire supplémentaires. Donc c'est aussi une possibilité pour marquer des points en plus que de détruire les toiles d'araignée. Enfin, il y a aussi ici, la possibilité de récupérer des trésors directement dans la toile en payant le prix qui est marqué ici, c'est-à-dire 8, c'est-à-dire un de plus que les parchemins spéciaux pour ceux qui connaissent le jeu, enfin les livres spéciaux qui rapportent des points. Et donc vous récupérez comme ça un livre, enfin vous choisissez en fait une des cases ici pour récupérer un livre plus des petits points additionnels par rapport aux points que vous payez en plus. Et donc évidemment, vous les choisissez, vous placez aussi des marqueurs sur ces endroits-là au fur et à mesure, car ils ne seront disponibles qu'une fois pour le premier qui les réalise. Donc ça permet, comme ceci, de gagner en plus des livres des petites capacités spéciales additionnelles. Là, en sachant que vous avez donc des pièces en plus, car on gagne pas mal d'or évidemment avec la version or, que vous avez un joli pion chat, alors c'est assez rigolo, ils le mettent dans la règle, on vous a mis un joli pion du chat, qui était donc une carte spéciale de la première édition et qui est bien embêtante d'ailleurs. Voilà, ils le disent carrément, ça sert à rien, mais bon, on s'est dit que ça vous ferait plaisir. C'est vraiment un petit goodies. Les petits jetons, il y a un truc spécial pour le marché, ça c'est les jetons pour les toiles d'araignée que j'ai déjà dépunché puisque j'ai joué avec.
Voilà le marché, comme ça vous permet de mettre le marché à côté du jeu. Bon, ça a une guerre d'importance. Voilà. Donc voilà, ça renouvelle un peu le jeu de base de Clank, évidemment. Hop, ensuite nous avons l'extension de Clank dans l'espace, auquel je n'ai pas joué, parce que je ne l'ai pas. Donc juste pour vous signaler qu'il existe donc cette extension Apocalypse dans l'espace, mais je ne peux guère vous en dire grand chose puisque j'ai pas joué au Clank dans l'espace, qui a priori ressemble beaucoup au Clank pas dans l'espace. C'est donc pas bien grave. Ensuite, parlons de Gold West de J. Alex Carvern, édité chez Two Tomatoes, qui est donc un nouvel éditeur que je ne connaissais pas, édition limitée. Alors ça, c'est du jeu de gestion développement, mais assez accessible. Et bien, c'est pas mal du tout, j'ai bien aimé. Voilà, donc vous avez un plateau à construire. Hop, comme ceci, en mettant des petites tuiles. Alors c'est du carton bien épais, c'est bien agréable. Et des tuiles avec des hexagones. Sympa. Voilà, donc vous avez des tuiles comme ceci qui représentent différents terrains qui existent dans le jeu. Vous l'aurez compris, suivant le thème, il va falloir essayer de récupérer de l'or pour construire des campements. C'est un jeu où on va avoir chacun une couleur et des petits jetons à essayer de placer. Voilà, vous avez des jetons comme ça qu'il va falloir essayer de placer sur le jeu, sur les emplacements correspondants du plateau de jeu. Et vous avez des petites tentes aussi que vous allez pouvoir placer comme ceci dessus pour essayer de gagner de l'or. Et en fait, chaque joueur a un petit plateau personnel sous cette forme. Voilà. Donc en début de partie, vous allez avoir vos jetons ronds qui vont être placés à cet endroit-là. Et le jeu va se poursuivre jusqu'à ce qu'on ait placé tous nos jetons ronds. Comme il y en a 12, si je ne m'abuse, il va y avoir 12 tours de jeu, puisqu'à chaque tour, vous allez être obligé de placer un jeton sur le jeu. Donc voilà, c'est assez simple. À chaque tour, donc, quand c'est à quelqu'un de jouer, premièrement, il va jouer avec ses ressources. Effectivement, vous allez avoir des ressources qui vont être dans ces cases-là. Ils vont en avoir un petit peu en début de partie. Et c'est la grande originalité du jeu, c'est que ça a un petit peu un principe d'Awele. Vous allez pouvoir récupérer... Enfin, choisir une des cases, récupérer toutes les ressources qui se trouveront dessus, et les semer. Vous allez en mettre une là, et hop, toutes celles qui vont dépasser, vous pourrez les récupérer, les utiliser pour ce tour. Vous ne pourrez utiliser que les ressources qui dépassent, en fait, de là. Voilà. Donc vous en faites dépasser en semant, en fait, sur les cases qui sont au-dessus. Ceux que vous avez récupérés, vous allez pouvoir les utiliser pour les placer sur le pourtour du plateau de jeu. Alors, il y a différentes manières de les utiliser. Vous allez utiliser de l'or, de l'argent et du cuivre pour faire progresser des petites... chacun a des petites diligences qui vont vous rapporter des points de victoire si vous réussissez à les faire progresser sur ces différents parcours en dépensant les ressources correspondantes. Vous avez aussi la possibilité... Alors voilà, je ne vais pas vous faire la mise en place, mais ici, il va y avoir des petites tuiles sous la forme de dominos qui vont vous donner des points de victoire en fin de partie suivant les endroits où vous aurez placé des jetons. Donc là, pour pouvoir choisir une des cases qui seront à cet endroit-là, eh bien, il faudra dépenser les deux ressources correspondant aux coordonnées de cette case. Et vous poserez votre jeton à cet endroit-là en ayant payé ça, si vous avez réussi. Et plus personne ne pourra choisir le même emplacement que vous. Donc voilà, le nombre de points de victoire, en fait, est assez limité. Après avoir fait ça, vous allez être obligé de construire, comme je vous disais, en fait, sur les petites tuiles hexagonales, un campement. Et pour construire un campement, eh bien, vous allez tout simplement défausser vous allez juste placer un jeton sur un des campements qui va être autour d'un lac central. Et sur les cases, préalablement, on aura posé des jetons comme ça qui vous indiqueront les ressources que vous gagnerez si vous construisez un camp à cet endroit-là. Alors, bizarrement, ce n'est pas des ressources à dépenser pour construire un camp. C'est des ressources que vous allez récupérer quand vous construisez un camp. Car effectivement, il y a plein de jetons en fait sur ces petites cases. Et quand vous allez choisir un endroit, pof, vous placez un de vos jetons dessus. Et puis ensuite, vous allez récupérer le jeton et gagner les ressources qui sont indiquées. Les ressources que vous gagnez, c'est vous qui choisissez dans quelle case
vous allez les poser en sachant que vous, plus vous les posez bas, plus vous marquez immédiatement les points de victoire qui sont indiqués, c'est-à-dire que si je décide de tout poser là, ben, je vais gagner 3 points de victoire. Le problème, c'est qu'au tour d'après, ben, pour les faire monter, ça va les faire dépasser, car il va falloir les semer. Et donc, il y a toute une histoire de calcul. Alors, sinon, vous les posez sur 0, au tour d'après, vous êtes sûr que vous pouvez toutes les utiliser, sauf que vous n'aurez pas marqué de points de victoire. Donc, hein, voilà, ça, c'est pas mal du tout. Et en plus de ça, le petit jeton rond que vous aurez récupéré, vous le placerez sur sa face cachée, quand vous aurez construit votre camp, et vous allez le placer sur la couleur correspondante, car effectivement, vous allez essayer d'avoir des majorités de couleurs pour marquer des points en fin de partie. C'est indiqué sur le pourtour du plateau de jeu. Suivant les couleurs, en fait, vous allez marquer, si vous êtes celui qui a le plus de jetons, eh bien, les points qui sont là. Si vous êtes le deuxième, ces points-là, et si vous êtes un autre, vous n'allez rien marquer du tout. Donc voilà, il faut aussi gérer ce déplacement-là. Alors, pour construire les camps, ils vont être payants quand même. Ça va vous coûter soit un or, soit un argent, je ne sais plus. Enfin, voilà, ça vous demande du métal, puisqu'en fait, dans le jeu, les ressources, il y a des ressources métal, et puis il y a des ressources cubiques, en fait, qui vont servir à autre chose. Non, les ressources cubiques, c'est justement celles qui vont permettre, pardon, de construire les camps. Donc, en fait, on dépense un cube et on place un de ces jetons. Et si vous dépensez un cube de chaque couleur, puisqu'il y a deux couleurs de cubes dans le jeu, eh bien, vous aurez le droit de placer un petit campement, c'est-à-dire les petites tentes que je vous ai montrées tout à l'heure, par-dessus votre jeton. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça veut dire que le jeton que vous allez récupérer à l'endroit, eh bien, au lieu de le placer directement dans cette case-là, vous allez le placer une case plus loin, enfin une case plus loin. Donc là, si j'en ai pas mis, je vais le placer ici. S'il y en a déjà un ici, autour d'après, et que je construis à nouveau un campement avec une tente, eh bien je vais pouvoir placer mon jeton ici. Ça permet de gagner les majorités plus facilement. Par contre, ça dépense deux cubes, alors qu'un seul suffit pour construire quelque chose. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ceci à prendre en compte, en sachant donc que c'est en tour limité, au bout de 12 tours, et le jeu va assez vite, eh bien, on comptabilisera tous les points de victoire que vous aurez réussi à récupérer, et celui qui en a le plus l'emporte, en sachant que les systèmes de placement pour marquer les points de victoire, eh bien, sont différents d'une partie à l'autre, puisque, comme je vous l'ai montré, avec la case vide. Donc voilà, c'était vraiment très très sympa, très très sympa ce Gold West, alors qui paye pas de mine comme ça, mais vraiment très très sympathique, beaucoup aimé. Enfin, l'aube des tribus, ça, c'est de Brad Brooks, édité donc en France par Gigamic. Et c'est un jeu de civilisation, de développement de civilisation. Mais tout ça sur un temps de... Ils mettent 45 minutes. Ouais, je pense que ça dure une heure sur une première partie. C'est donc très rapide pour un jeu du genre. Donc voilà, vous avez des tuiles en fait que vous allez placer suivant une certaine disposition, suivant le nombre de joueurs, avec donc des types de ressources, évidemment. Hop, et vous allez essayer de développer votre petite civilisation de l'aube de l'humanité avec vos petits personnages comme ça qui sont très joliment faits, puisqu'en plus ils ont des formes différentes en fait suivant les peuples. Ensuite, vous avez plein de peuples différents, donc vous allez pouvoir vous les attribuer au hasard, et chaque peuple peut en plus avoir des capacités spéciales si vous jouez en version avancée, sinon vous pouvez jouer en version simple où ils n'ont pas de capacités particulières. Donc le truc, c'est que vous allez pouvoir récupérer des ressources. Évidemment, les ressources, vous allez récupérer suivant les endroits où vous aurez vos personnages. Et pour gagner la partie, il va falloir essayer de construire des villages. Et les villages, suivant les peuples, vous n'aurez pas le même coût à dépenser en ressources pour les construire sur des endroits, évidemment, où vous vous trouvez. Et voilà. Et la mécanique est hyper originale et bien sympa. Hop, donc ça marche avec des dés. Hop, est-ce que je vais réussir à tout sortir? Voilà.
Vous avez plein de dés comme ça, des dés spéciaux avec des étoiles, des soleils et des phases vides. Donc en début de partie, en fait, vous aurez vous avez une lune, une phase vide et un soleil de placer comme ça sur chacune, pardon, des quatre actions possibles lors d'un tour de jeu. Voilà. Et donc l'originalité, c'est qu'à chaque fois que vous allez jouer, vous allez lancer deux dés supplémentaires. Donc toutes ces cases sont occupées, hein. Vous lancez deux dés et parmi ces deux dés, vous choisissez quelles sont les actions que vous voulez faire. Si vous voulez faire l'action ici, comme il y a trois dés de posés, vous allez mettre le dé que vous jouez ici qui va pousser les trois dés qui se trouvent là. Et donc du coup, il y a un dé qui va sortir et le dé qui va sortir, vous le placerez là pour vous montrer, enfin pour se rappeler que vous avez déjà fait l'action. Et vous allez pouvoir refaire une autre action, pareil, en déplaçant un dé ici. Et suivant les symboles qui apparaissent en haut, vous allez faire l'action normale. Ou bien, s'il y a deux lunes, faire une action minorée, donc qui va être moins intéressante. Et s'il y a deux soleils, faire une action qui va être plus importante en fait que l'action de base. Donc la première action croître, ça va vous permettre de recevoir des personnages en plus. L'action voyager, ça va vous permettre de vous déplacer de case en case. L'action récolter, ça va vous permettre de recevoir tout simplement des ressources par rapport aux endroits où vous vous trouvez. Et l'action guidée, ça va vous permettre de piocher des cartes spéciales, car effectivement, en plus de ça, vous allez pouvoir, comme dans d'autres jeux de civilisation, faire des constructions de cartes et de débloquer des technologies. Donc en fait, chaque joueur a son propre paquet de couleurs comme ça, et hop, les cartes, ça va être des cartes comme ça. Donc par exemple, vous pouvez inventer le mysticisme en dépensant les ressources comme ça. Alors quand vous piochez des cartes comme ça, vous allez les placer à gauche de votre plateau, et puis quand vous aurez réussi à payer, eh bien hop, vous pourrez les déplacer à droite, et à ce moment-là, ben, les capacités spéciales des choses que vous allez découvrir vont se rendre actives. Et donc vous allez pouvoir comme ça embêter les autres joueurs. Alors après, il y a d'autres cartes qui, elles, si vous réussissez à les réaliser, ben, vont vous donner des points de victoire aussi. Tac, tac. Donc voilà, c'est hyper original. Voilà, je vous présente ça vraiment comme ça, dans les grandes lignes, hein, mais c'est vraiment très très sympa. C'est actif, c'est du jeu de baston, hein, ça fait un peu penser au jeu style, style Blood Rage ou la dernière fois, celui que je vous ai montré aussi, Clash of Rage. Des jeux où on se tape un peu dessus, mais bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi de l'histoire de gestion, évidemment, essayer toujours de taper le joueur qui est en tête pour éviter que ce soit lui qui gagne, puisque ça va être en tour. En point limité, c'est que j'ai mis le plateau, non, si je l'ai rangé. Bon, en fait, il y a un deuxième plateau qui vous permet d'avancer vos points de victoire. C'est le premier qui arrive à un certain nombre de points de victoire. Donc, en fait, ça va très, très, très vite. Et donc, il faut bien anticiper les trucs. Mais en même temps, il y a aussi un peu de négociation avec les autres joueurs. Plus des capacités spéciales de peuple qui sont vraiment différents les uns des autres et qui sont assez puissants chacun dans leur style. Donc, vraiment, pour l'Aube des Tribus, aussi un excellent jeu avec un format relativement court et qui quand même offre beaucoup de possibilités. Donc vraiment très très chouette. Voilà. Et en coup de cœur, je voulais vous parler d'un grand classique de Les Aventuriers du Rail. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas. Donc ça reste un de mes jeux préférés. Je crois que j'en ai déjà parlé. Enfin, je vous en reparle quand même légèrement parce que beaucoup de gens cherchent la version 10e anniversaire qui était parue a priori il y a 5 ans et qui est devenue carrément introuvable malheureusement avec des super gros wagons et tout. J'avais fait une vidéo règle spéciale avec ce matériel-là. Eh bien, on vient d'apprendre que l'édition 15e anniversaire est en train de paraître, mais elle ne paraît qu'aux États-Unis, ce qui est vraiment pas très sympa. Et donc en ce moment même, si vous êtes bien en début septembre 2019 et que vous regardez cette vidéo, ben sachez qu'il y a un petit concours, alors peut-être qu'il sera déjà terminé hein, au moment où vous regarderez cette vidéo, pour gagner l'édition qui ne paraîtra qu'aux États-Unis. Et donc voilà, j'en parle parce que. Allez, Days of Wonder, refaites-nous-le en version.
en version disponible en Europe, quoi, parce que vraiment celui-là il est cherché par beaucoup de joueurs dans ma ludothèque. En fait, il y en a plusieurs qui me disent oh, il est super et tout, je le cherche, j'arrive pas à le trouver, il est hors de prix, donc ça serait bien de le rééditer pour les 15e, pour le 15e anniversaire, même en assez peu d'exemplaires, mais au moins pour satisfaire des joueurs, car ça reste quand même un des meilleurs jeux de tous les temps. Évidemment, c'est la version USA hein, qui est, je vous l'avais déjà dit, hein, je crois préalablement. La meilleure version à mon humble avis, car elle est rapide, qu'on n'attend pas ses tours, et puis qu'il y a des moyens de se faire des belles crasses, et quand même, c'est quand même nettement mieux que la version Europe qui permet trop de possibilités pour ne pas être bloqué, et que je trouve un peu moins sympathique, avec plus de règles qui rendent le jeu plus lourd, voilà, sans rajouter grand-chose par rapport au jeu de base qui est vraiment sympa pour la tension qu'il amène. Voilà, et donc la semaine suivante, je vous parlerai de Mimetix. Dambar, excusez-moi, je me fais des rototos. Ghost of Moon, Ghost of Moor, pardon. New Corps Order et Amul. Hop, dont on a pas mal parlé, mais auquel je n'ai pas encore eu le temps de jouer. J'espère que j'aurai le temps d'ici la semaine prochaine. Sinon, je vous en parlerai pas si j'ai pas eu le temps. Eh bien, à très bientôt. Amusez-vous bien. Et puis, merci de me suivre. Et puis, de mettre des petits pouces en l'air. Et puis, de vous abonner à la chaîne. Allez, à très bientôt. Au revoir.